La culture malinké est mise en avant dans le roman de Amadou Kourouma, où grâce à un français aux mots simples, il bifurque à travers les discours contradictoires que débitent très souvent des assoiffés de pouvoir au peuple. En attendant, le vote des bêtes sauvages décrit l'inertie profonde qui nuit à l'avancée politique dans les peuples du continent. Avec subtilité, contradictoire, Kourouma fait le portrait d'un président Koyoga qui se laisse flatter par les louanges d'un griot, ce dernier refusant de lui dire les vérités du peuple, préférant prétendre au bonheur total. Un cumul de faits qui ne peut que conduire à la déchéance. Un roman qu'Africulture vous propose de lire.